Et on se porte où vous? Elle se prépare depuis plusieurs mois à la sélection tahitienne des moins de 17 ans à cet envolé mercredi en direction des Fidji dans l'espoir de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde à moins d'une semaine du premier match face au Vanuatu. Mathieu Fontaine est parti à la rencontre de ce groupe porteur d'espoir. C'est une première dans leur jeune carrière de footballeur. 22 jeunes espoirs du football local se sont envolés vers les îles Fidji pour y disputer leur premier tournoi international. Là, on s'est entraîné durement durant les 3 semaines de vacances. Les joueurs et le staff en ont fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, ben, voilà, comme tu dis, c'est le jour J et on croise les doigts. On commence les entraînements le 8 janvier et le premier match le 11 contre Vanuatu. À la clé, une qualification à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans, prévue au Pérou au mois de novembre. Ouais, le premier objectif, hein, l'objectif principal, c'est de se qualifier au Pérou. C'est un rêve de gosse. Hein. Là, on n'y va pas pour faire de l'expérience ou je sais pas quoi. Là, on est tous motivés, on sait ce qu'on doit faire. Et on espère se qualifier, c'est un rêve, c'est sûr. En étant là, on est en mode compète. Quand on va y aller, on va tout donner, on va mouiller ce maillot, hein, Tahiti. Ouais. Et on va faire notre possible. L'objectif, Pérou. Pour atteindre ce Graal tant convoité, les Tamaora devront se hisser jusqu'en finale. Première étape, les phases de poule. Attendus à bas par le Vanuatu et Cook Island, les Tahitiens répètent leur gamme depuis des semaines. Là, ça fait un peu moins d'un mois qu'on est vraiment matin et soir ensemble. Voilà, on a fait une journée cohésion ici, tous ensemble toute la journée. Ça s'est très bien passé, tous les entraînements se passent très bien. C'est vachement cool, c'est un groupe très intéressant. On a vraiment du potentiel et je pense qu'on peut se qualifier. Tous les matchs des Tamaora seront à suivre en direct sur le site de la Confédération Océanienne de Football. Le coup d'envoi de la première rencontre des Tahitiens sera donné à 17h heure locale, mercredi prochain face au Vanuatu.